Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec l'ADD, qui est une association de l'art du déplacement de Toulouse. On va voir leur entraînement, je vais participer à leur entraînement. J'espère que ce format vous plaira. Merci à tous de continuer à me suivre, vous abonner, aimer. Je vous dis à tout de suite, ciao. Bon, voilà le spot. Des bons gradins. Des bons gradins bien gras. Ouais. C'est cool que vous soyez là. On va vivre une bonne expérience, un peu physique. Ceux qui avaient déjà fait, ils connaissent un peu. Normalement, c'est des. Je donne des cours d'art du déplacement. C'est ce que vous avez vu à Makassi. On grimpe, on saute, on mélange un peu de. Ça s'adapte à l'environnement en fait, urbain en fait. Et moi je l'ai appris avec les Yamakasi. Et ils font beaucoup de renforcement musculaire en fait. Et du coup c'est une partie qui est aussi intéressante pour tous les autres parce qu'on ne peut pas que sauter en fait. On prépare aussi le corps au saut, ça veut dire voilà, il faut travailler les cuisses, travailler les bras. Et donc c'est enrichissant pour tout le monde. Et de temps en temps quand je fais des séances comme ça, moi je suis pas très doué comme. Et là j'ai dit à Guillaume, vas-y si t'as des gens qui sont motivés, comme ça c'est plus cool, voilà. On peut s'entraîner ensemble. Et la difficulté elle est plus agréable quand on la vit à plusieurs que quand on la vit seule. C'est vrai. Donc du coup c'est gentil que vous soyez là et tout ce que j'ai à vous dire c'est qu'il ne faut pas abandonner. Il faut essayer d'aller jusqu'au bout. C'est pas dur, quand je parle on a l'impression de vous focaliser pas sur ce que je dis. Faites ce que vous pouvez faire et quand vous vraiment vous pouvez plus vous arrêter, vous asseyez, vous soufflez et ça ira. Ok, vous faites ce que vous pouvez. S'il y a des trucs qui sont difficiles, on peut les adapter, vous les adaptez et tout ça. Et je vous donnerai les consignes au fur et à mesure. Quand je vois qu'il y a des trucs qui vont pas, je vous dis ah là il faut essayer de faire comme ça, il faut essayer de faire comme ça. Et voilà. Normalement on saute pas vraiment, donc ça va aller vraiment. Peut-être que pour les autres, ceux qui en font là, les ADD, nous on va sauter un peu. Et pour les autres, ça va être plus renfort. Quelques exercices ludiques, un peu sympathiques, un peu durs aussi, mais sympa, ce qui reste agréable à expérimenter. Ok, vous êtes chaud? Oui. Voilà, nickel. Allez, courant. Je te filme. Allez, vite. Pantalon fesses. Pantalon fesses. C'est bien, c'est bien. C'est vraiment easy. Lève les genoux encore. La descente va l'être un peu moins. On tend la jambe, on essaye de descendre. Ici, on va poser le pied. On tend la jambe, on essaie de descendre. On va poser le pied. Et c'est pour ça que je garde les bras devant en fait. Ici, sinon, en fait, on a tendance à faire ça. Et du coup, on les porte vraiment par les pieds. Donc, on va vraiment les descendre. On va prendre la descente. Je vous essaye. C'est vraiment pas de la vitesse.
quel bel amorti. Il a le chi grave. Ça, ça va, tu connais ça. Pendant les escaliers, fais. Traverser, et c'est là que ça commence à être intéressant parce que il y a des écharpes, donc il faudra faire attention. Regardez les pieds sur le truc en bois, les mains sur le truc en bois. Ok, on pousse ici. On peut presque faire, c'est pas difficile. C'est parce que je donne trop d'informations, ça paraît difficile, mais c'est simple. Les bras tendus, et juste on traverse ici en poussant. Ok, ici il faut un peu faire patte de chat. Faut lever parce que si vous faites ça comme je disais, il y a un peu d'écharpe. Ça tombe en cours, il faut vraiment le lever ici. C'est vraiment tranquille. Vous faites juste ça. Et vous avancez. Vraiment aussi simple que ça. Ok? Allez, on essaye. Allez. Voilà, pensez pas à lever. Yeah. Attention. Faites attention au laser. Non, t'es pas assez rapide, Vincent, on va être rattrapé. Hein. En tout cas, pour la vidéo, il y a une belle vue là. Hein. C'est pas mal. Petite dédicace à Yann Notra, fondateur Yamakasi. Ciao Bel, fondateur Yamakasi, nos parrains à Dédé Academy Toulouse. Le message est passé. Et ici la famille. Et bonjour ma mère. Et avec les enfants. À ma famille, mes enfants. Les cousins, tout ça, tout ça. Le mouton, la chèvre. À mon chat. À Moula. Ouais, bien sûr, ouais, tu peux essayer. Vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Tu sais quoi? Oh putain! Et voilà, pose là, c'est consigne de sécurité. Ouais, genre c'est ma faute. Voilà, ce que tu veux. Allez Guillaume! Voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, hein. C'est un nœud. C'est des écouteurs à l'envers. Allez, combien de profils, Guigui? Pour les débutants, les 11 pour ceux qui veulent. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! Allez, on continue. Alors, j'ai une idée sympa, mais vous n'allez pas être d'accord. Hein, mais... Si, si, vas-y. Un peu dangereux aussi. T'as vu ça? J'ai demandé une prime, hein, parce que... Oula, bordel.
tu auras la GoPro qui va être explosée. Bon, la GoPro, c'est pas grave, c'est moi, quoi. Bon, y'a personne, là, c'est pas rigolo. Ils veulent pas être filmés. Moi, je suis pas d'accord, j'attends jusqu'à ce que vous vous asseyez, rien à foutre. C'est ça. Allez, on fait semblant que c'est hyper facile, hein. C'est ça, souriez. Mais on l'a pas dit, mais en fond, il y aura la musique de Rocky, hein. Hop. Dédicace à William Bell et à Makassi Fondateur. Guillaume, mon frère, William Bell. Ah, c'est dur. Allez, plus qu'une planche. De remplir mon défi. Et voilà, l'entraînement est terminé. J'espère que cette session vous aura plu. Merci à tous de continuer à vous abonner, à aimer, à commenter. Ça me permet de faire tous ces projets. Je vous dis à bientôt. Ciao. C'est dur, hein. C'est... Ah, c'est pas mal, mais c'est bien. Petite dédicace au Yamakasi, à Yann, Chow, William, Laurent, Serika, tous les... Lui d'avion, tout ça, parce que nous, on représente Toulouse. Wesh, wesh, wesh. Qu'est-ce que t'en as pensé? On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Bon, on recommence alors tout à zéro. Allez, on va partir. Allez. Qu'est-ce qu'on fait aux gens qui sont fatigués? Bah, je sais pas, leur c'est pas grave, c'est pas 21 ans. Ah, mais trop, c'est ah, bah, voilà. La règle, ça. Qui est fatigué? Fatigué. Qui est fatigué là? Il y en a qui sont fatigués. On n'est pas fatigué. Alors, ce qu'on vient de faire, c'est un petit échantillon de l'esprit Yamak. Alors, l'esprit Yamak, ça veut dire beaucoup de choses. C'est un truc de ouf. C'est se surpasser, c'est aller toujours plus loin. Et c'est faire des exercices que tu crois là-bas, c'est pas possible. Hein, tu dis, ah bah, je vais faire ça, je vais mourir. Bah, en fait, tu fais ça, mais tu survis, tu vois. C'est comme si tu sautais dans la lave, mais en fait, que tu flottais dessus, tu vois. Comme si t'étais en ski et tout, un truc de ouf. Ça, c'est de l'esprit Yamak. Très bien. Le premier à cliquer sur le bouton du milieu aura l'incroyable possibilité d'avoir un cadeau exceptionnel. Et oui, vas-y, clique, 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 génial! Tu as gagné un sandwich jambon beurre.